Ah, ça a commencé, ça commence. Pardon, désolé, je m'amusais un peu. Bonjour à tous. Bonjour Violette, merci. Ça y est, je suis propre. Donc, comme vous voyez, nous sommes dans un nouvel endroit. Donc, on est en haut d'une grange, dans une vieille ferme datant de 1802. Aujourd'hui, j'ai appris le voléo. Et non pas voler haut en français, quoique ça peut vouloir dire la même chose, parce qu'en fait c'est le pied qui va vers le haut. Le voléo, c'est quoi? C'est pouvoir tourner autour de Violette. Donc faire un pas circulaire autour de Violette. Donc on met tout de suite en situation. C'est parti. Ok, go. Donc on va commencer par directement le voléo. Donc ici. Là, je rentre bien ici. Là, pareil ici pour la rotation. Il faut vraiment que ce soit un pas circulaire. Ok, maintenant on va mettre en application sur d'autres mouvements que j'ai vus. Are you ready? Oui. Je voulais te déstabiliser en enchaînant deux. Ah, je t'ai induit en erreur. Oui, j'ai pas... Il est pas circulaire. Exactement. Tu fais une passe latérale. Exactement. Alors, je vais avec toi. Ah, c'est pas très facile parce que il y a de la paille et ça glisse ici. Donc, pas beaucoup de champ d'action. Ah oui, j'essaye de piocher dans tous les cours qu'on a vus ensemble. Très bien. Après, il faut faire plus attention si je le décompose ici. Comme m'a expliqué Violette, c'est bien rentrer en mouvement circulaire. Et ici, légère flexion ici. Et je reviens. C'est ça, hein? Donc ici. C'est bon? Oui. Ok, parfait. La flexion, plus petit? Oui. Ou le pas? Ok, donc ici, là, hop. Parfait. Ok, très bien, parfait. Bah, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, 11e cours et demain, 12e cours. Donc, on vous dit rendez-vous demain.